Bonjour. Direct qui va se terminer en beauté dans un instant avec notre invité principal. Vous savez déjà qui, mais je vous réserve quand même la surprise pour ceux qui n'auraient pas fait attention. Je rappelle aux retardataires, ceux qui veulent prendre date pour la semaine prochaine, ou même venir s'il reste encore quelques places, ça je ne sais pas. Lundi, Jean Carmet et Gérard Lenormand. Gérard Lenormand et Jean Carmet. Jean Carmet qu'on voit rarement tellement il travaille sur un plateau de télé, il sera là pour une heure et demie, Jean Carmet. Mardi, Marisa Berenson, Francis Perrin et le réalisateur Michel Lang. Mercredi, Jane Birkin. Jeudi, Catherine Lara, Gérard Klein. Suspense ce jour pour le vendredi, vous pouvez attendre encore. Et aujourd'hui, celle qui doit être en train de battre le record des tournées, car elle va repartir une nouvelle fois pour un mois en France, à travers la province. Donc vous pourrez la voir tout près de chez vous. Et quand elle passe, on ne la manque pas. En outre, elle vient de sortir un nouveau clip, une nouvelle chanson, ça s'appelle Sauvez-moi. Alors vous savez qui c'est? Jeanne Masse. Bonjour Philippe. Ça va? Jeanne qui doit être la recordwoman des passages ici et des présences à direct. Moi j'adore venir ici. C'est la première fois que je reçois quelqu'un. Pour la quatrième fois, et bien nous aussi. Et de toute façon, en plus, comme tu ne viens que quand tu as des raisons, je viens d'en donner deux. Je n'ai que ça. Deux bonnes raisons de la faire venir, et la troisième étant le plaisir, et votre plaisir à tous. Alors, puisque vous l'avez sous la main, si vous voulez lui poser des questions, vous connaissez le numéro du dialogue, c'est 56, etc. Et est-ce qu'on peut revoir l'album aussi, l'album? Parce qu'elle était venue pour l'album, il est tellement beau. Montrez, non, ils sont en train de se demander s'ils commencent par le numéro du téléphone du dialogue. Allons-y pour le dialogue, voilà. Et puis ensuite, vous montrez l'album parce que vraiment, Jeanne n'est pas tellement reconnaissable. Ça, c'est 56 pour les questions. Allez, je suis reconnaissable dans l'album, peut-être pas voilà. Dans l'album 45. Là. Voilà. Là, t'as beaucoup changé de look quand même. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas un look, ça. Ça, c'est se prendre un petit peu en dérision. Pourquoi tu as mis Marilyn? J'ai pas mis Marilyn, j'ai mis moi avec une inspiration à une femme américaine qui voudrait ressembler à Marilyn. Mais je n'ai pas cette prétention de vouloir ressembler à Marilyn. Je trouve que le clin d'œil. Même si bon, je me trouve aussi belle qu'elle. Hein. Oh bah oui, tout à fait. Hein, ça va. Hein. Tout à fait. Un petit peu moins blonde. Oui, hein? Mais là, ouais. C'était bien. Le maquillage était très bien et tout. Et parce puis j'ai dû apprendre aussi. Parce que c'est toi, là. Là, c'est moi. Ouais. Oui, les gens ne me reconnaissent pas, mais c'est moi. Si vous voyez Marilyn sur une pochette, c'est moi. Non, mais je crois que ça valait la peine d'être dit quand même, parce que. Ah oui, oui, oui. Parce que je sais que des gens ont même fait des paris. Ah bon? Oui. Ah oui, en disant elle va arriver blonde ou pas? Non, non, là, du tout. Certains disant, mais non, c'est vraiment Marilyn. Ah bah écoutez, je suis très flattée. Voilà. Je savais pas que j'étais aussi belle. Alors, tout à l'heure, vous verrez le clip, et là, vous comprendrez, si vous ne l'avez pas encore vu, qu'effectivement, il y a un lien très, très étroit. Avec Sauvez-moi et le clip voilà. Que tu as tourné. Oui. Hein. Parce que je voyais encore dimanche, tu as chanté et ça n'était pas le clip. Dimanche, j'ai chanté? Oui, je ne sais plus où, tu l'avais enregistré sans doute avant. Ah oui, oui, c'était pas le clip. Le clip est passé à Champs-Élysées. Oui. Et la pochette est en relation au clip, c'est vrai. Et puis c'était également une petite façon de dire à tous ceux qui pensent que je suis esclave de ma propre image, je voulais leur prouver que non, que je n'ai aucun problème à me mettre des perruques blondes, des perruques rousses, à changer de maquillage et tout ça. Alors ce phénomène de la chanson, ce phénomène tout court qu'est Jeanne Masse et qu'on a plaisir à recevoir aujourd'hui avec nous pendant une heure et demie. Beaucoup de choses dans cette émission. On parlera d'un film qui fait déjà grand bruit, qui est Mosquito. Michel Pascal. De telles pénalités, il peut être aussi interdit de tournoi petit à petit. C'est ce qui va peut-être lui arriver, oui. Vous rêvez toujours de repartir aux États-Unis? Oui, je vais y aller, j'espère. Vous aimez bien les États-Unis? Non, moi je ne connais pas. Non, mais vous aimez bien, vous dites toujours. Non, je ne suis pas très attirée par les États-Unis, mais c'est vrai qu'il se passe un tas de choses, surtout musicalement, et que c'est ce qui m'intéresse. Et puis, bon, je voudrais visiter les studios de Hollywood. Parce que depuis votre dernière venue ici, vous n'êtes toujours pas allée aux États-Unis? Non, je devais y aller au mois de février, et puis voilà, j'ai sorti un nouveau 45, j'ai réalisé le clip, et vous comprenez, je veux dire, j'avais besoin de promouvoir aussi ce 45. Je ne peux pas partir aux États-Unis tranquille en sachant que je vais reprendre la tournée, que j'ai un nouveau 45. Moi, je flippe, hein. Et non, je ne peux pas partir comme ça. Sinon, vous allez aux États-Unis pour la musique? Oui, pour la musique, pour les studios de cinéma, pour voir un petit peu ce qui se passe également, parce qu'il y a une demande de la part des États-Unis, de ma maison de disques là-bas, et que je vais voir ce qu'ils vont me proposer. Oh, c'est-à-dire, peut-être, par exemple, essayer de placer Jeanne Masse? Oui, de lancer Jeanne Masse aux États-Unis. Mais moi, ça me laisse un petit peu perplexe. En français? Non. Il n'y a rien à faire. Ah non, là-bas, il veut rien. C'est que là, c'est la réponse à ceux qui disent toujours
il faut défendre la chanson française. Voilà la numéro un de la chanson française côté femme, mais rien à faire. Mais eux, ça ne les intéresse absolument pas. Bon, tant que moi, je peux m'exporter en Europe, en français, déjà, c'est une grande victoire. Mais les États-Unis, il ne faut pas rêver. Où est-ce qu'on écoute en Europe, Jeanne Mas, en français, en dehors de France? En Allemagne, en Scandinavie, oui. En Espagne, au Canada, évidemment. Dans tous les pays, bon, toute l'Europe, quoi. Alors sauf l'Angleterre, évidemment. Et en Italie, vous chantez en français? Oui, oui, le disque En Rouge et Noir est sorti en français. Alors que vous y aviez d'abord chanté en italien, là-bas? Oui, j'avais fait une première version, toute première fois en italien. Et ils ont sorti les trois versions, italien, français, anglais, parce que j'avais aussi fait une version anglaise. Et depuis, j'ai dit, arrêtons tout. Je ne vais pas devenir un produit et me tuer en 50 langues pour leur faire plaisir. D'accord, mais et du coup, ça marche? En français. Ça marche en français, mais ouais. Vous savez, en Italie, la chanson typique italienne ne marche pas. Ouais. Il n'y a que vraiment Claudio Baglioni qui marche en ce moment. Et il n'y a que les anglo-saxons. D'ailleurs, tous les Italiens chantent en anglais. Moi, je me refuse de chanter en anglais, je veux chanter en français. Ouais. Et les Espagnols, ils doivent vous en vouloir quand vous chantez en français et pas en espagnol? Ben là, je suis en train de voir avec les Espagnols, parce qu'il n'y a pas que les Espagnols, il y a toute l'Amérique du Sud. Ouais. Donc, le premier 33 est sorti avec une version espagnole de Johnny Johnny et tout le reste en français. Vous avez parlé espagnol chez vous? Avant, je parlais couramment l'espagnol et puis après, bon, j'ai mélangé avec l'italien. Et maintenant, j'ai beaucoup d'amis argentines. Mais votre langue maternelle, c'est quand même le français. Oui. Quoique né en Espagne. Oui. Ça, vous avez donc appris ensuite l'espagnol? Oui, j'ai étudié à l'école. Vous ne le parliez pas naturellement? Non. Alors, est-ce que vous aimez l'avion? Non. Même les petits avions? Encore moins. Encore moins, alors là, vous allez voir. Plus ils sont gros, plus je suis rassurée. Regardez-les, vous allez les découvrir en compagnie de... Pour les fous. Ne dites pas de sottises. Justement, vous ne dites rien. Je préfère me taire. Moi, je reste avec madame jusqu'à la fin de l'émission, quand même. Alors, si elle est fâchée. J'ai quelque chose à vous montrer, là, je l'ai caché pour ne pas que vous le voyez. Moi, j'attends. Regardez. Moi, j'attends le fromage. Est-ce que vous connaissez cette paire de chaussures? Ah, ben oui. Mais on l'avait jamais vu encore. Tourne là, comme ça on voit le nom. Voilà. Ah, mais c'est la chaussure Jeanne Mas, oui, c'est celle-ci. Ouais. C'est la chaussure Jeanne Mas qui est en vente depuis. Mets-la, montre le fond, là où on voit le champagne d'habitude. Voilà, il y a Jeanne Mas qui est marquée à l'intérieur. Hein. Et à l'extérieur, Et à l'extérieur. Ça, je trouve ça très bien comme idée. Oui, en effet, oui. Quel tuyau. C'est en vente depuis combien de temps? C'est en vente depuis le mois de février. C'est-à-dire depuis ce mois-ci? Début février. Fin janvier, début février, dans les grands supermarchés, hypermarchés. Et à un prix, je crois que c'est pas plus de 200 francs. Exactement, c'est les deux caractéristiques de ces chaussures. Elles sont vendues en grande distribution. Et elles ne sont pas chères, pas plus de 200 francs, 220 francs prix maximum. Et elles sont de bonne qualité. Il y a toutes les formes. Philippe, vous me redonnez une des chaussures. Ah oui, mais j'en ai d'autres. Il continue à poser des chaussures sur la table. Attends, j'en ai d'autres. Ah, parce qu'elles sont même Massimo. Tiens, regarde Massimo. Les sandales. Non, regarde. On voit même, je vais la montrer de l'autre côté. Ah oui, c'est très compliqué à aller chercher. Ce que je voulais montrer, c'est que la signature est même, voilà, on la voit là. La signature est même extérieure. Et on en a fait pour les enfants, t'as pas porté celle pour les enfants? Oh ben il y a sûrement celle pour les enfants. Oh, c'est mignon pour les gosses. Là, voilà. Regarde. Tiens, je la monte. Là voilà. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est celle qu'il a dans la main. Là. La toute petite. La toute petite. Voilà, c'est celle-là. Ouais. Elle est jaune et bleue. Et pardon hein, pour les cadreurs hein, et pour Massimo, parce qu'on vous a fait faire des performances et je sais qu'on vous gesticulait devant les caméras là. Voilà, bon, c'est la ligne Jeanne Mas. Oui. Voilà. Et ça t'a toujours tenu à cœur, hein, les chaussures, presque autant que la chanson. Ah non, il ne faut pas exagérer. Alors pourquoi alors? C'est une chose en plus. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il les apportait aujourd'hui. C'était une surprise. C'était une surprise, alors pourquoi, voilà. Pourquoi des... Non, il y a eu une demande de mes fans. Je trouvais que c'était amusant de lancer une ligne de chaussures pas chères, vu que, bon, c'est vrai que les gens qui se lancent dans la mode, en général, ont de grands noms et se créent de grands noms. Au point quand même, Jeanne, vous ne pourrez acheter mon disque que si vous achetez une paire de chaussures en même temps. Jamais. Je suis avant tout une artiste. D'ailleurs, je ne fais aucune promotion pour mes chaussures. Je veux dire, je prête mon nom à mes chaussures et à mes vêtements quand ils seront là. Mais je reste une artiste avant tout. Ça, je le fais pour les jeunes. Mais c'est toi qui les dessines. C'est moi qui les dessine, oui. Donc c'est quand même tes goûts. Ah oui, c'est quand même mes goûts. C'est pas ton nom que tu prêtes à une ligne de chaussures qui serait indépendante de toi. Non. Et la dernière fois, tu envisageais, tu avais déjà dit que la première étape, ce serait les chaussures, mais pour faire plaisir toujours à ceux qui aiment Jeanne Mas, et ils sont quand même des millions à voir les ventes de disques, tu préparais une ligne de vêtements. Ça continue? Oui, qui sera prête en automne prochain.
Et ce sera une ligne aussi qui me correspond et qui ne coûtera pas cher. Je suis en train de travailler sur des achats de tissus qu'on peut acheter en Italie à pas cher pour vendre une ligne qui soit sympathique et accessible à tout le monde. C'est le but, parce que mon nom doit correspondre à ça, ce genre de... Et là, pour tordre le cou, comme d'habitude, ça ne sera pas que du noir. Non, parce que moi, je ne veux pas forcer tous les gens à mettre du noir. Il y aura des petites couleurs et tout ça. Mais c'est vrai que la base sera noire, parce que sans ça, ça ne me correspond pas. Mais je veux dire, c'est un truc à part. D'accord. Okay, un petit plus. Ça, on aura un album quand même. Mais moi, je fais ma carrière. Ça me prend 2 heures dans une après-midi. C'est tout. Tiens, repars. Merci. Alors, on finit avec... Mais c'est vrai qu'elle ne savait pas qu'on les amenait. Hein. Non, c'est pas Jeanne qui nous les a amenés. C'est une surprise. Tu ne savais même pas que ça faisait un mois que c'était en vente. Tu savais que ça avait été mis... Non. Moi, vous savez, je veux même pas savoir... Je veux savoir que ça ne coûte pas cher, c'est-à-dire on établit, c'est déjà par contrat, tu vois, les prix, mais je ne veux pas après savoir où ça sort, patati patata. Eh bien, écoute, n'aie pas de regrets, c'est sûr que c'est une très bonne idée. Il faudrait être fou pour détoncer plus. Oui, enfin. Oui, je crois que oui. Alors voilà le fromage du jour. On n'a pas le droit de détourner les slogans. Bon, alors je ne dis plus rien. Si, je vous présente le fromage du jour. C'est pas un fromage... Tu connaissais Alphaville ? Oui. Oui. Tu aimes ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'orientation actuelle de la musique qui marche, hein ? celle du top 50, donc celle qui se vend. Celle du top 50, celle qui se vend, je ne suis plus très au courant de ce qui se passe en ce moment au top 50. Parce que... Non, mais la couleur générale de la musique actuellement. Je trouve que c'est très mélangé. Cela dit, les Français sont en train de faire de très très bonnes choses. Il y a des groupes comme les Avions qui ont fait bebop et je trouve ça très bien. Il y a un groupe Canada. Oui, voilà, Canada. Ils ont fait une chanson très tendre. Des Marseillais, comme ça. Oui. Voilà. Mmh. Et je trouve ça très bien. Et puis toutes les femmes se défendent aussi bien. Mais... Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de mélange de tout en ce moment. C'est on vrai peut qu'il pas y a dire... plein de jeunes groupes. Ah les oui. Hein. Good Lux, les yeux de Laura, Good Lux, c'est pas mal. Oui, c'est bien. C'est vraiment aussi. Partenaire particulier. Et tout ça, c'est du français, c'est quand même bien agréable. Oui. Et ils raflent toutes les premières places. Voilà. Est-ce que tu connais ce livre ? Oui. Hein ? Mais je ne l'ai pas encore. Ah, tu l'as pas encore ? Eh oui, c'est mais ça. 49,50 € dans toutes les librairies. D'accord. Hein. Et j'ai pas le temps de passer dans une librairie. Bon. En tout cas, les tops dans les top 50. Mais je trouverai le temps de le passer. Donc, ce bouquin a totalisé l'ensemble des classements hebdomadaires du top 50 de l'année 86. Alors, cette année, tu n'es pas la numéro 1 parce que, évidemment... tu sais pourquoi ? Parce que les 45 tours, ils ne coïncident pas nécessairement exactement avec la période. Et oui, qu'on peut pas à la fois préparer la tournée, là, bien comme tu l'as... Palais, comme tu l'as fait, et sortir juste à ce moment-là, c'est 45. Mais je me suis amusé, moi, à faire un calcul sur l'année précédente. Si ça avait existé, ce bouquet, l'année précédente, tu pulvérisais tous les autres. Mais 86 ? 85. Ah, 85, oui. Voilà. Mais rendez-vous. 86, j'ai quand même été numéro 1 avec l'album. Ah, tout à fait, tout à fait. Là, c'est un classement. On a mis 5, on a mis tout à fait. Et dans l'album actuel, je te rappelle que tu es quand même depuis août. Dans le classement des albums, ouais. Et cassettes. Hein. Ça, c'est ce qui fait quand même 7 mois, bientôt 8, certainement 8 encore, puisqu'on le découvrira sur Canal+, ce week-end, le nouveau classement des albums, des ventes pour le 15 janvier, 15 février. Mais de toute façon... Je serai dans le prochain bouquin, numéro 1. De toute façon, t'es dans le top 2 des temps. Ah. Tu n'es pas numéro 1 ah bon. Pour l'année 86. Et c'est qui numéro 1 ? C'est Goldman. Ah bon, alors et j'aime bien. Côté... C'est Goldman, puisque gars et filles sont classés en même temps. Et côté chanson... J'ai un trou, je ne sais plus de mémoire. C'est Image, c'est les démons d'accord. De minuit. Les démons de minuit. Mais Jeanne est dans les deux cas, très largement dans la première dizaine. Hein. Je ne veux pas dire de sottises. On a échappé belle. Hein. Le dernier, la moyenne de vente des 45 tours jusqu'ici, ça a été combien ? Je crois que c'est 850. La moyenne ? Il y a une toute première fois un petit peu plus, en rouge et noir un petit peu plus. Ouais. L'enfant est arrivé disque d'or, j'étais très fière, parce que c'est vraiment, j'étais très fière. Très belle chanson. Ouais, j'adorais cette chanson et j'avais très peur que le public ne comprenne pas pourquoi je faisais une chanson comme ça, alors qu'il a tout de suite réagi et ça m'a fait énormément plaisir. Et puis là, on va voir avec Sauvez-moi. Et l'album qui a le plus vendu jusqu'ici ? C'est Femmes d'aujourd'hui avec 900 000. 900 000 pour un album, c'est... On est disque d'or avec un album à combien ? À 100 000. 100 000, donc 9 disques d'or. Après il y a double, après il y a platine, oui. Je crois, après il y a double platine, après c'est... Mais en les comptant par 100 000, c'est l'équivalent de 9 disques d'or. Oui. Voilà, je crois que ça se pose de commentaires, ça vaut largement les top d'or. Oui. Les top 50. Ça fait plaisir. Tout à fait, c'est justifié. Donc deuxième édition du journal avec...
Nous restons en compagnie de Jeanne Masse, qui fait escale sur le plateau de Direct, entre le réenregistrement de Sauvez-moi et surtout le tournage du clip. Ouais. Et puis le départ de la dernière phase de la tournée. C'est formidable cette tournée quand même. Alors elle a commencé ? Elle a commencé le 1er octobre à Lille. Oui. On a arrêté, je ne sais plus quand, parce que j'étais tellement naze. Je crois que c'était le 6 décembre à Nice. Et bon, en attendant, je suis rentrée en studio, on a réarrangé Sauvez-moi, on a remixé, on a rechanté Sauvez-moi avec Dominique Blanc-Francard et Thierry Durbet. Et voilà. Et là, tu repars. Et là, oui. Et j'ai fait le clip en attendant, et là, je repars. Tout le mois de mars. Et avril. Je finis le 17 avril ou le 18 avril à Valenciennes, je crois. C'est très fatigant, une tournée. C'est un petit peu stressant, c'est vrai. C'est toujours la route, c'est toujours bon. Et puis bon, c'est vrai que je suis un petit peu en fin de parcours là. Je commence à être un petit peu fatiguée au bout de 3 ans où je donne continuellement. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est pas fini après la tournée. C'est-à-dire ? Parce que je vais réaliser le spectacle, la vidéo de mon spectacle. Mais réaliser, c'est-à-dire que pourquoi tu ne prends pas un réalisateur comme tout le monde ? C'est simple, je n'arrive pas à trouver un réalisateur qui me convienne. Et vous savez, depuis que moi j'ai réalisé mon clip, c'est pas que je me suis monté la tête, mais j'ai tellement aimé ça et que je pense être la seule à vouloir, oui, à pouvoir donner ce que moi j'ai envie de donner, oui, à travers ce spectacle. En plus, il y a préméditation quand même, parce que je, oui, me souviens, oui, quand même de nos conversations publiques ici précédentes, où tu avais vraiment décidé que la réalisation, ça serait la prochaine étape. Oui, bon, oui. Ben, j'ai trouvé cet embranchement dans ma carrière et je trouve ça formidable, parce que ça me donne encore envie de construire, de créer. C'est formidable, une carrière quand même commencée en 84, on est 87, c'est donc à la fin 86, dans le milieu de la troisième année, qu'elle dit « j'ai trouvé un embranchement dans ma carrière, oui, mené à 100 à l'heure ». Un petit peu, c'est un plus, c'est pas un, oui, embranchement, hein. C'est compléter un petit peu le métier. C'est, oui, mais tout, vous savez, faire, bon, ma carrière, hein, c'est ça, et puis bon, c'était la chanson, faire des disques et tout ça, oui, et puis à un moment, on se dit « tiens, mais je peux faire ça aussi, oui, mais c'est alors le même j'ai métier, envie de le faire ». Mais oui, c'est le même métier, c'est le même la métier réalisation. Parce qu'il faut toujours créer. C'est la même création qu'on fait en direct quand on est sur le plateau. Et j'aimerais créer un long métrage aussi. Ah, on en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant. Peut-être bien, oui, en effet. Peut-être bien. Alors, comme vous allez recevoir une nouvelle télé couleur, vous allez faire une première chose. D'abord, mettre dessus la photo encadrée dans des coquillages de Jeanne Masse. Et puis oh ensuite. Non, pas les coquillages. Et ensuite, vous ferez réparer l'antenne pour la recevoir sans zèbre. Bien. OK. Allez, tous ensemble, profitez-en pour regarder quand même là tout de suite. Ça s'appelle Sauvez-moi. La chanson, on connaissait déjà. Mais vous allez voir, c'est une nouvelle orchestration. Oui, c'est de nouveaux arrangements. Ça swing beaucoup plus que la version de l'album, c'est vrai. Et bon, il y a du punch, il y a tout. Voilà. Et la conception de ce clip, c'est Jeanne. Et la réalisation, c'est aussi Jeanne Masse. Et l'interprète aussi. Oh, j'espère, à moins que ce soit Marinine. Sauvez-moi. Ça s'appelle se faire plaisir quand même, là. Oui, vraiment se faire plaisir. Mais vous savez, moi j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce scénario. J'avais très peur, parce que bon, c'est vrai que c'était la première fois que je réalisais. Je me suis entourée quand même de gros personnages comme directeur de l'image, c'est Jean-François Robin qui a travaillé avec Benax dans 37.2 et que j'aime beaucoup. Et bon, j'avais très peur et je voulais faire quelque chose de drôle, contrairement à l'enfant où c'était quelque chose de très doux, de très humain, comme ça. Et bon, j'ai travaillé. Et l'idée de Marilyn ? Et en fait, l'idée de Marilyn, c'était juste de ressembler, c'était juste d'interpréter un personnage, une blonde, qui américaine, ouais, qui avait envie de ressembler à Marilyn. Et ça, j'avais vu un film qui s'appelle La Blonde et Moi, où ça m'avait un petit peu frappé de voir cette blonde bien comme ça. Avec Jane Russell. Ouais. Et qui est super bonne. Ouais. Et bon, et qui est dans ce décor complètement crade chez ce journaliste. Et ça m'avait fait rire. Et j'ai voulu reprendre un petit peu cette idée-là, cette image-là. Et puis après, bon, de reprendre d'autres personnages comme Ava Gardner, qui me plaît énormément. Et je voulais citer aussi l'acteur qui a joué dans ce clip, qui est Renaud Marx, et bon, qui est un mec qui a énormément de talent, qui fait du théâtre en ce moment, mais bon, qui a su interpréter les trois personnages très. Et puis il y avait une scène très drôle, parce que au moment de Marilyn, quand je lui saute dessus, non, comme ça, je lui mettais toujours mon genou
là. Oui. Hein, et il y a eu combien de prises? Il y en a eu 5 ou 6. Il a été hospitalisé ensuite. Non, il marchait un peu bizarre après. Mais je dois dire que c'était un grand acteur parce qu'il n'a jamais rien dit. Au contraire, c'est moi qui me suis plaint. Parce qu'ils étaient, elles étaient un peu dures. Voilà, c'était l'actrice, et non plus la réalisatrice. C'est Sauvez-moi tout à l'heure, alors totalement différent. On verra, on réentendra avec plaisir. Mais ça n'a jamais que 6 mois, l'enfant. Ah oui. Hein? Mais on va parler de cinéma, puisque le cinéma, ça branche, Jeanne. Quelques secondes. Ah bah écoutez, pour une coupe de champagne, toujours. Est-ce que vous savez, Jeanne, quel jour on est aujourd'hui? Le 27. Le 27. Mmh. Et le 28, qu'est-ce qui se passe? Vous savez... Ah, demain, le 28, je vais avoir 18 ans. Oui, oui. Oui, alors, Jeanne va avoir 1 an de plus demain. Je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, mais c'est vrai que ça se fête quand même. Hein. Bah, normalement, ça se fête. Oui. Et alors, je vais vous reprendre l'ensemble des paquets biotères. Ah, non. Ben non, parce que c'était marqué 30 ans. Le plus jeune, c'est 30 ans. Oui, vous avez raison, mais je le garde pour mes 30 ans, vous savez, dans plusieurs années. Et oui, c'est que la petite, elle n'a quand même effectivement pas 30 ans. On prend des questions, on vous écoute. Vous inquiétez pas, si ça fait du bruit, c'est mon bouchon. On vous écoute, allez-y. Allô? Oui, pardon. J'entends me dire qu'à Zénith, que Jeanne Masse voulait faire un long métrage. Je veux savoir quel style de film elle aimerait faire. Alors, est-ce que vous allez faire du cinéma? On a bien fait de garder Michel Pascal, il était là pour le champagne. C'est vrai que bon, je suis en train de lancer cette idée parce que c'est vrai que ça me préoccupe en ce moment. Enfin, ça me préoccupe, j'y pense. Hein. J'aimerais bien réaliser un long métrage. J'ai déjà une idée, j'ai déjà une actrice en vue parce qu'évidemment, je ne serai pas actrice dans ce long métrage. Je ne peux pas faire, je peux pas tout faire en même temps. Mais bon, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour en parler. Je vais d'abord écrire le scénario et puis après, je présenterai ça à une boîte de production. 18 ans, c'est trop jeune hein, pour réaliser en France. Il n'y a pas d'âge pour vouloir faire ce qu'on a envie de faire. L'important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Mais plutôt réalisatrice oui. que actrice. Oui. Et pourtant, tu as déjà joué. Oui. Et c'est vrai que je trouve beaucoup plus passionnant de pouvoir diriger, de pouvoir créer... faire du cinéma comme ça que plutôt d'être de l'autre côté, d'être dirigé. Mais tout à l'heure quand même, tu regardais Michel en lui rappelant que le directeur de la photo dans Sauvez-moi, oui. c'est Robin, hein, celui c'est de Benex. C'est Jean-François Robin, oui. Qui a fait la photo de 37.2 le matin. Oui, et qui a fait, oui. oui. Alors, il est très doué ce mec, il est vraiment très grand. Alors tu l'as pris parce que tu te souvenais des Benex. Non, j'adore Benex, oui. j'adore, pour moi c'est l'un des plus grands réalisateurs français. J'ai encore vu son film La Lune dans le caniveau qui est passé hier soir. C'est dément, je veux dire, cet homme il adore filmer, il aime ça. Il y a des lumières incroyables, je veux dire, pour moi c'est une grande claque, pour moi c'est un maître. Oui. Mince, j'ai Non, ça va, il n'y a pas de problème. Bon. Et dans ce cas-là, tu n'aurais pas envie de faire un film sous la direction d'un type comme Benex? Peut-être que oui, parce que j'apprendrai beaucoup de choses, ça c'est vrai. J'ai été contactée par Jean-Pierre Mocky aussi pour son prochain film. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai la tournée, tout ça, je ne peux pas faire 36 millions de choses à la fois. Mais le Mocky, qui commence là avec Catherine Deneuve, là, oui, hein, Agent oui. Trouble. Hein, Agent Trouble, voilà. oui. Et donc le tournage commence. Et s'il n'y avait pas eu la tournée, je sais t'aurais pas. Peut-être dit oui. Je sais pas. Vous savez, je suis très perplexe. J'ai envie de... le jour où je ferai du cinéma en tant qu'actrice, il faut vraiment que ce soit un grand événement, parce que moi, j'aime ça, et que j'ai pas envie de faire... Bon, faut vraiment que je m'investisse en tant qu'actrice et que donc j'ai un rôle qui... Ouais. Même si c'est un bon rôle, ce qui m'a proposé. Je vais organiser une rencontre Jeanne Masse-Benex, on va, il va peut-être y avoir un film qui va s'en Et puis, il sait tellement bien mettre les acteurs en valeur, comme ça. Il sait tellement bien... Il y a des lumières douces, les acteurs sont beaux. Pour vous faire une confidence, vous l'aimez bien, mais lui, vous aime bien aussi, il me l'a dit. Bah, écoutez, voilà. Bah, alors, mon vieux, voilà. Si vous êtes entremetteur, il faut le dire carrément. Je vais te dire à Jean. Allez, moi, je vais vous ramener pour quelques instants, et je crois que ça fera plaisir à tout le monde. En attendant, ou la réalisatrice, ou l'actrice Jeanne Masse, la chanteuse, c'était L'Enfant, une superbe chanson. Le clip est tourné à Rome. A été tourné à Rome, oui, dans la Via Appia, et voilà, et j'ai a été monté en Belgique parce que le réalisateur était Jean-Pierre Bermans. Vous avez l'impression que ça fait très longtemps, c'est pas vrai, c'était en août. En août 86. De l'année dernière. L'Enfant, Jeanne Masse. Jeanne Masse, c'est la chanson que tu aimes. C'est ma chanson fétiche, oui.
C'est celle qui me donne toujours une émotion. Quand je l'écoute, c'est ma chanson, quoi. J'ai tellement pleuré en écrivant cette chanson qu'en fait, même à chaque fois que j'arrive, ça revient. Et puis, c'est peut-être toi qui y croyais le plus. Oui, oui, c'est vrai que ma maison de disques n'y croyait pas du tout. Oui, enfin, par rapport à d'autres, sans doute, en se disant il y a des chansons plus dans la ligne des précédentes. Oui, bah, c'est-à-dire, le problème des maisons de disques, c'est qu'ils ont du mal à faire confiance quand l'artiste est bon, et jusqu'à présent, je ne les avais pas déçus. Mais bon, ils se sont dit, waouh, elle est rentrée dans un trip, oui, l'enfant, peut-être pas, il faudrait faire une autre chanson et tout ça. Et moi, de toute façon, comme je m'en fous, parce que je fais ce que je veux, j'ai imposé ma chanson, j'ai imposé ma pochette, j'ai tout imposé comme j'impose tout le reste. Hein. Et voilà. Et lorsqu'on m'a remis mon disque d'or, je me suis fait un plaisir de le leur dire. Jeanne, qui est-ce qui commence Monsieur Marat, Jeanne Mas, qui est-ce qui commence pour un album? Moi d'abord, en disant, il faut que je prépare un album, donc écrivez-moi des chansons comme ça, comme ça, comme ça. Et il n'y a pas que Romano Muzumara, il y en a cinq autres. Okay. Et puis, on fait des maquettes, après c'est moi qui décide les chansons. En Rouge et Noir, et ce sont deux chansons dont j'ai pris dans l'une les strophes, dans l'autre le refrain. Et bon, j'ai fait un mélange parce que je trouvais que la chanson était plus belle comme ça. Et bon, c'est... Mais tu pars de musique. Oui, je pars de mélodie. Je pars d'abord de la mélodie quand je travaille avec... Parce que j'aime bien ça, j'aime bien partir de la mélodie et par-dessus écrire mes textes. Parce que bon, vu que je travaille avec des Italiens qui ne parlent pas le français, écrire des textes qu'ils ne comprennent pas, c'est très dur pour eux de pouvoir après mettre des mélodies par-dessus. Et quand quelqu'un t'apporte des textes Pour l'instant, il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient des textes. Je les remercie. Peut-être qu'un jour, je sortirai un bouquin avec tous leurs textes, parce qu'il y en a de très, très beaux. Mais c'est vrai que, bon, je suis auteur et que pour l'instant, j'écris moi-même mes propres chansons, quoi. Mais cela dit, bon, il y a de très, très beaux textes. Et les textes qu'on t'écrit, ce sont vraiment... Tu te rends compte que ce sont vraiment des textes qui ont été pensés, écrits pour toi? Non, c'est pas... Non, ils sont pas écrits pour moi. Ils sont écrits par eux. Et ils ont envie que moi, je les chante. C'est différent. Ils écrivent. Bon, en général, ce sont des adolescents, donc ils écrivent la solitude, la mort, tu ne m'aimes pas, et tout ça. Enfin, c'est très triste. Et c'est plus gai. Et tu n'as pas peur, en allant aux États-Unis, de te retrouver un peu coupé de ta tradition musicale, c'est-à-dire de te trouver un peu déboussolé par tout ce que tu vas voir là-bas et d'avoir envie de faire quelque chose qui serait une trop grande rupture, au contraire? Non, justement, le but de ce voyage aux États-Unis est également dans un intérêt, c'est celui d'évoluer, de savoir ce qui se passe. Moi, j'ai envie également d'évoluer musicalement, non? Je veux que mon troisième album soit quelque chose de canon, soit quelque chose de différent où j'apporte toujours un plus. Donc c'est vrai que pour apporter un plus, il faut apprendre des choses, il faut savoir ce qui se fait. Tant que je travaille, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc voilà. Mais je ne me laisserai pas influencer. Et vous savez, c'est très drôle parce que les Anglais sont venus voir mon spectacle et l'un des représentants de EMI Angleterre m'a dit, quand il a su que je partais aux États-Unis, il m'a dit faites très attention et surtout ne perdez pas l'humanité que vous avez en vous. Ça m'a touchée, quoi. En moins spécialiste, c'était ma question, quand même. Ouais. C'était ne pas voir là-bas. Parce que quand on entend Jeanne Mas, on redécouvre tout d'un coup qu'effectivement, elle n'a fait que deux albums. Elle nous a tellement donné, tellement apporté depuis 2 ans et demi, mais ça ne fait que deux albums. Et pour cause, puisque ça ne fait que 2 années entières. Ça fait 2 albums, 2 scènes, 1 grande tournée. Oui, non, tout le reste, c'était 10 ans de carrière. En réalité, 10 ans de carrière, c'est sur 2 ans et demi. Oui. Hein? Et sans info, c'est beau. Oui, ouais. C'est tout à fait beau. Et avec en plus une belle équipe. Voilà, on va terminer parce que l'heure approche avec un rappel.